Salut tout le monde, c'est Grip, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour découvrir ensemble Lego Star Wars, la saga Skywalker. Les jeux Lego, j'aime bien, c'est divertissant, on aime bien cet humour qui revisite les films. C'est frais, c'est décalé, on se marre toujours, il n'y a pas d'âge pour comprendre la blague et effectivement passer au second degré sur la petite bête qui était racontée ou dédramatiser une scène. Honnêtement, j'avais kiffé celui sur GameCube, je vous le mettrai effectivement parce que là j'ai plus le nom en tête. J'avais absolument kiffé ce jeu, je l'avais refait je ne sais plus combien de fois. Et j'attendais du coup énormément ce jeu, un petit peu à cause de celui-ci justement. Parce que les séries Lego en soi, je n'ai pas fait tant que ça. J'ai surtout joué aux versions Star Wars, un petit peu à Jurassic World, qu'il faudrait que je termine un jour d'ailleurs. On verra si on y arrivera. Mais en tout cas voilà, faire Lego Star Wars, la saga Skywalker. J'enregistre pour effectivement vous proposer une petite vidéo découverte. Si après vous voulez plus d'épisodes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors avant que la vidéo ne commence et que je lance le jeu là tout de suite en direct, ce que je vous invite à faire, c'est à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas rater mes prochaines vidéos. À liker la vidéo et m'indiquer si effectivement il y a des choses que vous auriez aimé voir dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour ça. À vous abonner sur mes pages Facebook et Twitter qui arriveront prochainement quand cette vidéo sortira. Et dernier petit point, après je ne vous embête plus. Il y a le lien Instant Gaming de la chaîne en description. N'hésitez pas si vous avez des jeux achetés un petit peu moins cher à utiliser ce lien. Ça me permettra effectivement de pouvoir vous proposer plus de jeux par la suite. Allez sur ce, le coup de pub c'est fini, on va démarrer le jeu. Ouais. Voir les options d'accessibilité. Non. T'as des sous-titres moyen, moyen. Oui, bon. Défiler la visée. Je pense que c'est classique. Un Titi Games. Ah là 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 là. Respire. Maintenant, projette-toi. C'est l'arme d'un chevalier Jedi. Une arme élégante, une époque plus civilisée. Contre un gadget télécommandé, d'accord. Mais contre un homme, c'est une autre histoire. Et retrouve ton ami. Nous allons. Rien ne pourra plus nous arrêter. Hey, on ne fait pas. Il n'y a pas d'essence. Désormais, accomplis le risque. J'ai besoin que quelqu'un m'explique ma place dans tout ça. Mais non ! Mais non ! Mais c'est super de me dire que j'ai des skins parce que j'ai la version de luxe, mais non ! Pas cet écran qui est magnifique, mais non ! Vous savez que j'ai la version de luxe. Mais ça a tout cassé! J'étais pris dedans, je pense que vous l'avez vu, je parlais plus! On peut commencer, de ce que j'avais cru comprendre, par n'importe quelle trilogie. Et je vais me taire. Une époque de guerre civile, à bord de vaisseaux spatiaux opérant à partir d'une base cachée, les rebelles ont emporté leur première victoire sur le maléfique Empire Galactique. Au cours de la bataille, les espions rebelles ont réussi à dérober les plans secrets de l'arme absolue de l'Empire, l'Étoile de la Mort, une station spatiale blindée dotée d'un équipement assez puissant pour annihiler une planète tout entière.
Poursuivie par des sbires sinistres de l'Empire, la princesse Leia file vers sa base dans son vaisseau cosmique, porteuse des plans volés à l'ennemi qui pourront sauver son peuple et restaurer la liberté dans la galaxie. À peu de choses près, à quelques mots près, à quelques phrases près, on aurait presque... Le synopsis. Oh là 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 là. Tu as entendu? Ils ont coupé le réacteur central. Cette fois, la princesse Leia ne pourra pas s'échapper. Verrouille le sas et prépare les modules de sauvetage. Oh yes! Votre Altesse, la transmission a été reçue. Que nous ont-ils envoyé? De l'espoir. Nous passons au-dessus de Tatooine. Elle sera plus en sécurité avec un vieil ami. Un vieil ami? Donc du coup, est-ce qu'elle connaît Obi-Wan? Alors nous devons aller au module de sauvetage, madame. Non, ils les scanneront pour détecter des formes de vie. Il faut la mettre dans un droïde. Et ils parlent! Enfin, ils sont en mouvement. Quand ils parlent maintenant, les personnages, avant, ils le faisaient pas. Donc je suis la princesse, donc... Double saut, très bien. Ah! Il est sorti un gun. Ici votre capitaine. Vous avez entendu des sons étranges, il s'agit de turbulences liées à une invasion. Veuillez rester calme. Je découvre et touche au passage. Hein. En temps normal, ah, puis il y a le minimap en bas qu'il faut suivre. Alors habituellement, je passe mon temps à... Ah, je peux changer de personnage, je vais prendre Antilles. Oh là là. Je passe mon temps à tout détruire. Pour récupérer un maximum de gold. Je vais essayer de pas trop le faire. Et de le faire après moi de mon côté en saut pour dévorer les trucs. Et de profiter un peu de l'histoire. Il est en pyjama ? Ils ont abordé. Quand je vous dis que c'est vraiment des Star Wars... Enfin, les Lego, c'est... Trop bien pour dédramatiser une scène. Il y a un humour incroyable. Ok, ils ont une barre de vie, ça j'avais cru le comprendre. Oh oh, il a plus son casque hein. Bah, ce qui est sympa c'est qu'avant on n'avait pas cette possibilité de... comment dire. Ah, je peux monter des plans à distance, d'accord. Ce que je veux dire c'est qu'avant on n'avait pas la possibilité de viser. De manière à faire vraiment se déplacer ou tirer pour tirer. C'est un peu bizarroïde d'ailleurs. Reshoot. Là. Cette aura en Lego. Ambassadeur, pouvons-nous commencer les négociations? Vador est dans le vaisseau. Récupère les pièces, toi. Me semble coincé. De quoi ton sabre, Bruno? C'est encore votre capitaine. L'Empire vient d'arrêter le vaisseau. Vous pouvez désormais perdre votre calme. Qu'avant, fallait rester calme. Ah ouais, et derrière, je shoot ce truc-là. Très bien. Il déverrouille une porte. Donc je lui enlève son casque, ça c'est rigolo. Pour démarrer un combo d'attaque. Terminer le combo. Ah, j'aurais aimé que la caméra soit quand même du bon côté pour me montrer le combo. De plus en plus de stormtroopers arrivent. C'est pour ça que nous devons amener ce plan à Tatooine. Où est ce droïde? J'aurais un Jedi, je vous jure que je passerai beaucoup plus de temps corps à corps. Parce que bloquer sa fiche, c'est un différent combo.
voulez. Vilain. Ah, je tiens en train de construire devant eux là. Ah, d'accord. Donc on se cache derrière les éléments pour se défendre aussi. C'est bien ça, c'est bien réfléchi. Ok, ça a l'air d'aller maintenant. Ça a l'air d'aller. Ah oui, oui, effectivement, ça avait l'air d'aller. Hein. Capitaine, s'il vous plaît, ne dites plus ça. Ah. J'ai pas appuyé sur la bonne touche. Me demandez pas pourquoi. Trouver un moyen d'enlever le corps et il faut que. Ah donc faut qu'il reste suspendu, je traverse et je fais pareil de l'autre côté, c'est ça? Ça franchement un jeu, ce jeu là je joue à deux. Ça doit être plaisant de ouf quoi. Un des cas effaïné s'il te plaît. Ah! Ah, dis donc, est-ce qu'ils sont efficaces ceux-là? J'ai rien dit, ils sont très efficaces. Dame, le chemin est bloqué. Nous devons trouver un moyen de continuer. Alors utilisons les plans de l'Empire à bon escient. Oh, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous loue mon zinc, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus du coup? Moi je veux bien. Faut construire un truc, ok. Qu'est-ce qu'il est en train de construire? Ah, on dirait plus une lune qu'une étoile à mon avis. Ah! Ah non, en même temps, si je viens de tout casser, ça marche pas. On va casser ça et on va s'en servir pour attaquer les gens. Déplacer. Ah ok, donc c'est, en fait, c'est une tourelle fixe, d'accord. Bon, écoutez, enfin, pourquoi je me ferais pas plaisir? Elle meurt. Ici votre ancien capitaine qui vous parle de nouveau. Veuillez accueillir chaleureusement l'Empire en capitulant visiblement et en nous remettant les plans. Nous devons couper l'alimentation de cette porte. Où sont les cellules d'énergie? Vite! Et il est marrant ce terme, votre capitaine. Je passe pour ce truc, 318. 318, je suis 764. Tu te moques de moi? Oui, 318. Je croyais que c'était 318. Non! Je suis 180. Je vais dans la boîte. Et puis j'ai des grenades et tout maintenant. C'est assez marrant. Hein. Par contre, la visée qui peut se bloquer effectivement, ou que vous pouvez vous ajuster, elle est quand même assez marrante. Ah, Akbar! Nous en sommes bien conscients, amiral. Il a un café dans les mains en plus. Ah oh, oui, on est piégé. Attention là-bas! Au nom des profondeurs de la grande fosse de Mgeles, c'est un flot sans fin! Ah, ok, donc là je vais m'en servir comme support. Ouais, bon. Intelligent. Dans un jeu Lego, c'est très intelligent. Ah! Je savais qu'elle avait de la poigne, mais quand même. Je
J'ai pas souvenir d'avoir vu une difficulté. On me dirait que c'est un jeu Lego. Nous devons déclencher les leviers d'urgence de cette porte. Difficulté sur un jeu Lego, ça paraît quand même assez étonnant. Parce que c'est pas pour autant que les cassettes vont devenir plus dures. Mais c'était stylé! On est rentré au premier cran presque. Personne ne va quitter ce vaisseau maintenant. Pas si vite. Regardez, c'est mon unité R2. C'est le moment de faire passer ses plans sur Tatooine. Oh, cette scène est tellement culte. R2-D2, où es-tu? Elle lui a fourré une cassette, quoi. Les plans de l'étoile de la mort ne sont pas dans l'ordinateur central. Qu'est-ce que vous avez fait de ces plans? Mission secrète? Quel plan? De quoi parlez-vous? Quel pétrin! Un instant. Avant, je pouvais voler! Ah, il doit pas encore les avoir avec Non, dans cette trilogie-là, je le vois, j'ai jamais vu faire ça. Hé, hey, qui va là? Ah, ce sont que des droïdes. Ils t'ont fait peur? Non, bien sûr que non. Nous sommes des droïdes, nous sommes Une boîte de conserve pensant. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, hein? Nous endormir en traduisant? Ouais, seule machine super intelligente. Quel couche. Ok, donc j'ai déverrouillé un premier point. Mais jouer R2, c'est marrant en fait. Quoique. Ah, d'accord. C'est pas exactement ce qu'il fallait faire, mais. Ah. On est inoffensif. C'est le monsieur qui l'a dit. Je sais pas s'il y a des éléments de super construction à trouver. Les modules de sauvetage, je vais le regretter. 1 sur 6, ouais. Hey, prenez sa douche. Occupé. Ce n'est pas le module que vous cherchez. Bien joué. Belle référence pour la suite du jeu. Et du film, accessoirement. Tiens. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il peut construire, ouais, il va construire quoi? C'est un truc que R2 peut utiliser. Tu te perds tout le temps. Attendez, je suis bête ou... Bah, je confirme bien avec le bon bouton. Je suis pas bête, normalement là, je suis censé pouvoir... Ok. Ah, en fait, je choisis le truc que je veux bouger. Ok. Je viens de comprendre. Sauf que. Ouais. Je bougeais pas le bon anneau en fait. C'est pour ça. Autant pour moi.
La petite capsule de sauvetage. Avec un logo de douche derrière. C'est étrange, les dégâts n'ont pas l'air importants vu d'ici. Le croiseur, je l'aurai un jour en Lego. Je l'aurai. Je suis membre du Sénat impérial en mission diplomatique à Alderaan. Vous êtes lié à l'Alliance Rebelle et vous avez trahi. Emmenez-la. Elle a dû cacher les plans dans le module de sauvetage. Envoyez une patrouille pour les récupérer. Oui, monsieur. Comme cet endroit est sinistre. Comment sais-tu qu'il y a un village là-bas? Quelle mission? De quoi parles-tu? Équipe d'abordage. Ouais, 1 sur 6. On aurait pu faire plus, hein, mais on va pas s'amuser à tout casser tout de suite. Là, le principal, c'est redécouvrir l'histoire, ce défi de niveau. Je m'impressionne parfois. Nouvelle stratégie suggérée. Aspirateur sans sac. Ah, les mini-kits, voilà, je cherchais le terme. Personnage et vaisseau. Oh, merci de m'avoir fait débloquer ce que je jouais. Oh, débloquer le vaisseau. Très bien. Allons par là. Mais Rick Kyber. Nos circuits seront vite grippés. On va s'arrêter là. Oui, on va quand même pas gâcher toute l'histoire, même si normalement c'est culte pour vous connaître la suite. Vous ferez sûrement d'autres vidéos sur le jeu pour vous montrer un petit peu les cinématiques humoristiques à la Lego. Et puis si jamais effectivement cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces pour me l'indiquer pour que je puisse derrière vous faire un maximum de vidéos sur le jeu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Comme dit en début de vidéo, le lien Instant Gaming, la page Facebook, la cloche de notification, faut s'abonner et liker la vidéo et me mettre en commentaire ce qui vous a plu ou déplu. Allez, sur ce, c'était Grip. Allez, tchou.